Aujourd'hui, on a une super belle vue. C'est magnifique. Coucou, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui en haut de la montagne avec ce magnifique paysage. Aujourd'hui, on a de la chance, il y a juste quelques petits nuages et c'est magnifique, j'adore. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de rêves. Alors depuis que je suis petite, je rêve beaucoup, quasiment toutes les nuits. Et j'ai plein de théories sur qu'est-ce que sont les rêves, qu'est-ce qu'ils signifient. Je parlais beaucoup de rêves avec mon frère, surtout quand j'étais plus jeune. Et bon, avec le temps, j'ai fait un peu le tri dans ces théories-là. Et je rêve tout le temps autant. Et je trouve ça génial de rêver, quoi. Ça permet de s'évader un peu, d'avoir des idées, de l'inspiration, et puis de vivre des sentiments qu'on n'aurait peut-être pas dans la vraie vie. Donc rien que de ce point de vue-là, je trouve ça hyper divertissant. Mais les rêves, ça permet aussi de creuser un peu dans toutes les pensées qu'on rejette un peu au quotidien. Et puis je pense que des fois, les rêves, ça peut être une piqûre de rappel pour dire « Hé, Coco, Cocotte, t'as oublié ce truc super important dans ta vie, ça te dirait pas de te lancer là-dedans, de faire ce truc hyper important qui te tient à cœur, ou alors tiens, il y a un problème là dans ta vie, il faut vraiment faire quelque chose. » Les rêves, enfin, je trouve qu'ils me parlent de cette manière-là, et puis j'ai pas l'impression d'être la seule en plus. Donc avec le temps, bon, au début j'utilisais des dictionnaires de rêves, mais je sais pas, la signification me parlait vraiment pas du tout. Et je comprends pas pourquoi il y aurait des dictionnaires universels, internationaux, qui fonctionnent pour tout le monde. Parce que d'une culture à l'autre, les symboles, ils changent en fait. Et la signification, je sais pas, des objets, des couleurs, des animaux, de plein de choses, ça change. Donc je vois pas pourquoi ce serait universel. De ce point de vue, je comprends pas trop. Mais bon, bref. Moi, j'ai développé mon système beaucoup plus simple avec mon frère. Et en fait, pour interpréter un rêve, on s'y prend de cette manière-là. Alors bon. On se raconte ce qu'on a rêvé, le plus objectivement possible. Et il faudrait le faire le plus tôt possible au réveil pour que le rêve soit encore bien frais et pas qu'on ait commencé à le déformer en se le remémorant. Et bon, une fois qu'on s'est raconté ce rêve-là, on s'aide l'un l'autre à l'interpréter. On se demande qu'est-ce que tu ressentais quand il y avait ça, alors cet objet-là, ça te rappelle quoi dans la vraie vie? C'est quoi le truc qui te le rappelle le plus, par exemple? T'as rêvé d'une table étrange. Est-ce que dans la vraie vie, t'as vu cette table étrange quelque part? Ou alors, quand tu t'es retrouvé dans cette situation vraiment très très biscornue dans ce rêve-là, comment est-ce que tu te sentais? Est-ce que t'étais terrifié? Est-ce que t'étais joyeux, enthousiaste? Et donc, après, en recoupant tout ça, mon frère et moi, on a trouvé que c'était assez facile en fait d'interpréter les rêves. Et je pense qu'il faudrait pas chercher des significations trop complexes, trop freudiennes et tout ça. Faudrait aller au plus simple en fait, et la réponse la plus simple en fait, la plus évidente, ben ce serait a priori la bonne réponse, quoi. Et donc avec les rêves, des fois j'ai trouvé de l'inspiration artistique, j'ai trouvé des fois j'ai eu des déclics vachement importants pour ma vie, ou alors quand je me pose des questions importantes, quand je me les pose bien le soir avant d'aller me coucher, à chaque fois j'ai la réponse quand je me lève, je sais exactement qu'est-ce que je vais prendre comme décision. Quand on dit « la nuit porte conseil », ben on peut s'en servir de cette manière-là. Et moi, ça marche bien chez moi. Si vraiment, avant de me coucher, je me dis « bon, je viens de rencontrer ce gars-là, est-ce qu'il me correspond? Est-ce que c'est une bonne idée de continuer à flirter, à sortir avec lui? Est-ce que je perds mon temps ou est-ce que c'est une bonne idée ?» Et le lendemain matin, ben, à chaque fois, j'avais une réponse bien précise et qui me paraissait très évidente. Donc de ce point de vue-là, je pense pas que ça peut être faux, vu qu'en fait, c'est juste communiquer avec soi-même et puis... faire le tour de la question, quoi. Et le faire en rêvant, c'est très très intéressant, quoi. Alors, dans les rêves, il y a aussi les rêves lucides. Bon, moi, je suis pas une grande spécialiste, j'en ai fait quelques-uns. Bon, ça dure pas très longtemps, ma durée de lucidité, mais ça reste génial quand même. Le fait de pouvoir prendre le contrôle du rêve et de dire, bon, je suis dans cette pièce-là, il y a un coffre qui m'énerve parce que j'ai pas la clé. Alors maintenant, je vais décider que j'ai trouvé la clé là. Je la trouve et j'ouvre le coffre, voilà. C'est très très satisfaisant des fois. Et bon, après, j'ai pas trop développé le thème du rêve lucide parce que ouais, je suis encore une grande débutante, hein. Donc allez voir plutôt les vidéos sur les rêves lucides de Tim Tim sur la route des fruits. Il a beaucoup plus développé ce sujet-là, donc allez voir, c'est très intéressant ce qu'il raconte. Et puis il vous donne des exemples en plus, c'est encore mieux.
Donc voilà, les rêves, c'est une des passions de ma vie. C'est vrai que j'en parle jamais dans les vidéos, mais je trouve ça génial de pouvoir rêver tous les jours. Et bon, tout le monde rêve pas. Par exemple, Paul, c'est assez rare qu'il rêve. Mais bon, chacun son truc, hein. C'est que des rêves, c'est pas très très important. Mais bon, ça peut être un élément qui épice un peu la vie, quoi. Voilà. Voilà, donc je suis juste enthousiaste à ce propos-là. Ça n'a rien à voir avec la santé, l'alimentation, le sport ou rien du tout. C'est juste du bien-être, puis une curiosité comme ça. Alors si jamais vous faites des rêves marrants qui vous ont aidé dans la vie, qui vous apportent un petit plus comme ça, si vous avez des petites techniques comme ça pour rêver mieux, bah, n'hésitez pas à les partager. En tout cas, moi j'ai remarqué que quand je rêve, c'est en général, quand je me rappelle de mes rêves, c'est vers la fin de la nuit, c'est quand je me réveille et puis je me rendors plusieurs fois. Et là par contre les rêves, ils fusent, ça n'arrête pas quoi. Donc en fait, pour rêver, pour moi, il faut que je dorme plus que nécessaire et que je commence à me réveiller et me rendormir le matin, entraîner au lit. C'est là que je fais le plus de rêves et puis c'est génial. Et puis des fois quand je me rendors, je décide de rêver d'un truc particulier et puis ça marche quoi. Par exemple, si je veux continuer le rêve d'avant, ben je continue. Bon, après le thème est un peu différent, mais c'est génial. C'est assez étrange de dire que je veux rêver de ça et je vais le faire. Pourquoi pas? Bon, allez, j'ai assez parlé. Maintenant, je vous laisse avec le paysage.